Nous voulons que t'adorer où la bouche est dans ton cœur. Nous voulons t'adorer encore élevé parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons t'adorer sur la table parce que tu mérites l'honneur, la gloire et la main du Saint-Esprit. Nous voulons t'adorer parce que tu es vivant. Nous voulons t'adorer parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te saluer Dieu ce matin, parce que tu es vivant, notre Dieu. Tu mérites l'honneur et la gloire. Tu mérites l'honneur et la gloire. À toi seul, à nous. Nous voulons t'adorer parce que tu es vivant. Nous t'adorons parce que tu es puissant. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'exalter. Parce que tu es vivant. Nous voulons te rendre tout de la gloire. Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci à toi seul, la gloire. Oh, merci Jésus, merci pour ta présence, merci. Merci à toi l'honneur, à toi seul la manifestation de ta gloire. Merci à ta gloire, nous te rendons la gloire parce que tu es vivant. Merci à ta gloire, merci. Nous te rendons la gloire, Seigneur notre Dieu. Merci de bénir ce culte encore. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci pour ta présence, notre Dieu. Oh, merci au nom de Jésus. Que nous pouvons prier, on dit Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Via Panaki, Adio Yanazai, Via Pa, Atolato Yanazayo, Via Panaki, Adio Yanazayo, Via Pa, Dejo Yanazayo, Via Panaki, Adio Yanazayo, Via Pa, Atolato Yanazayo. Adio, 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 Ad
Du Seigneur et non que le Seigneur te libère et qui comporte tous tes ennemis. Nous prions au nom du Seigneur. Ouvre la bouche, pas la bouche. Ouvre la bouche, pas la bouche. Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié en Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Votre Amen et vous en parlez, Amen. Mais je suis fatigué de vous. Je ne me laisse pas bénir par la fatigue parce que déjà depuis 5 heures du matin, j'étais ici avec vous. J'ai fini la réception jusqu'à, je pense, 8 heures moins. Je suis allé dans une famille pour une intervention, encore dans une famille. Et je suis encore devant vous. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Encore dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Qui aime Jésus? Amen. Celui qui n'aime pas, c'est un sorcier. Jésus est trop merveilleux. Amen. Amen. Surtout quand je la regarde, je vois la merveille de Jésus dans la vie de cette sœur. Je vois un peu la main de Dieu qui est à l'œuvre. Je vois un peu la souveraineté de notre Seigneur Jésus, dont la main n'est pas limitée. Il peut même guérir même à distance. Amen. Amen. Voilà. C'est pas la peine de m'emmerder sur Skype. Si on vient à guérir quelqu'un sur Skype, vous allez m'emmerder sur Skype. Vous faites vos faits sur Skype. Dieu nous donne l'inspiration sans fonction d'un remarque qu'on exerce un ministère. Amen. Amen. Je ne serai pas trop long ce matin. Je vais donner juste une petite exhortation qui va nous amener à beaucoup de choses. Amen. Amen. Je pense que le dimanche prochain, ça sera un puissant dimanche parce que un dimanche de louange à l'Éternel qui a, et n'est-ce pas, écrasé nos ennemis. Amen. Amen. Voilà. Et le dimanche qui va suivre l'autre dimanche, il aura un bûcher que j'ai fait, c'est un bûcher. Chacun va venir parler à un nom jeté dans le feu. Amen. Amen. Parce que le mois de décembre, ça sera un mois de décrétation. Nous avons décrété des choses sur nos vies. Vous savez, le seul problème des gens, ils ne sont pas passés. Un dit qu'on dit la patience est un chemin. Les gens ne sont pas patients. Ils veulent voir des petits potards, des petits potards. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme, chaque 3 mois, l'homme change. C'est chaque 3 mois, quelque chose se passe dans la vie des êtres humains. Amen. Amen. Mais ne pensez pas que Dieu ne vous a pas exaucé quand vous venez prier. Alléluia. Amen. Et puis Dieu te tiendra compte de l'état de ton cœur et de ta vie pour te faire rentrer dans une dimension de bénédiction. Mais dit aux gens, ce n'est pas des petites choses. Ça, je suis désolé. Dans un premier temps, Dieu peut te protéger. En fait, Dieu peut te délivrer de la main des sorciers si nous prions, bien sûr. Mais pour entrer dans une dimension de bénédiction, il faut que toi-même marche avec Jésus. Amen. Amen. C'est vrai que nous pouvons intervenir dans nos prières, prier pour que Dieu les sorciers qui laissent. Si ça va parler, ils vont commencer à te vomir.
Dis amen. Amen. Je vois que vomi, je vois que vomi. Amen. Amen. Merci ton vomi, il faut commencer à marcher. Lui. Hein? Amen. Amen. Si tu ne marches pas, ils vont te prendre. Tu manges un garba. Les sorciers sont très dangereux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les choses sont pressées à notre frère. Mais oui, c'est vrai qu'on veut prier pour vous. Ce n'est pas des petits chiffres. Amen. C'est pour ça que prenez le psaume 91. Amen. C'est mon exhortation ce matin. Vous savez, c'est un ministère de prophètes, c'est pas un ministère pastoral. C'est les pasteurs, ils mènent le thème comme ça. C'est vrai que souvent on fait dans les thèmes, mais moi, c'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu que je travaille. C'est un ministère de prophètes. Amen. Amen. Nous prenons le psaume 91. Allons-y. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu te bénisse. Sur ce verset, nous allons ensemble partager ce matin. On dit celui qui demeure, c'est très profond, sous l'abri, on parle du Très-Haut. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas avec lui ici, qui n'est même pas un être humain, qui ne mange pas un toit. Il est très haut. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure, ça veut dire quoi? La Bible nous dit, si c'est le psaume, sauf écrit par David, c'est David qui parlait. Vous savez que David a vécu une expérience puissante avec Dieu. David a vécu une expérience très puissante avec Dieu. Ce David-là, il a fait 13 années sans trône. Il a eu l'onction royale. Il a eu l'onction. Ils l'ont vu comme un roi. Il allait dans la maison, il allait au palais. Enfin, il y avait quelqu'un qui était sorcier, Saül, qui était encore sur le trône. Et ce Saül a emmerdé David pendant des années. C'est vrai qu'il a eu l'esprit. Quand vous regardez un peu l'histoire de David, vous allez comprendre. Dieu, il peut te donner l'onction aujourd'hui. Il peut te dire non aujourd'hui. Et ça peut prendre du temps. Parce qu'il y a un temps où Dieu prend le temps de te former, de te faire rentrer dans certaines grâces. Parce que la Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne subit d'aucun chagrin. Pour ceux qui soient patients. Ah non, depuis, il n'y a pas besoin d'en marier. Tout allait maltraiter enfant des gens. Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le. La femme apporte le bonheur. Je suis désolé si vous dites les hommes. C'est la femme qui apporte le bonheur. Amen. Amen. C'est vous qui vont vous chercher, vous trouvez le bonheur. Ce n'est pas vous qui voulez vous marier. Même par moi, si les gens le font. Mais c'est dangereux. Une femme dit, je vais marier lui là. Alors la guérir. C'est qu'elle va te montrer. Elle devient chef à la maison. C'est contre la loi de Dieu. Parce que le chef de la maison, c'est l'or. Amen. C'est pour ça qu'il demande aux gens d'avoir l'argent. Si vous êtes dans la maison, ne mangez pas l'argent de vos femmes. C'est vrai qu'elle peut vous aider. Mais c'est celle qui donne l'argent, c'est celle qui a le pouvoir dans la maison. C'est comme ça. Celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir. Non, je dis, si c'est moi aussi. Tu veux porter le pantalon aussi. C'est elle qui a l'argent, qui a le pouvoir. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Donc, Dieu, pour te bénir, il va y avoir des qualités d'abord. Que vous savez que l'école, c'est une. La vie. La vie, c'est une école de Dieu. Jésus-Christ est né, et c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé le ministère. Et quand vous regardez de l'âge, c'était l'âge de la maturité en Israël. C'est à partir de 30 ans qu'on pouvait prendre la parole en public. Donc Jésus-Christ a commencé à partir de l'âge de 30 ans. Donc il y a un temps. Lorsque Dieu a appelé Moïse, après Moïse, 40 ans dans le désert, ça fait les 40 ans que Dieu l'a appelé le ministère. Donc j'ai un temps. Quand vous priez, j'ai un temps. Amen. J'ai un temps. C'est pour ça que soyez beaucoup patients. Quand Dieu te donne une bénédiction, il ne t'arrache pas ça. Quand il te donne un toit, il ne t'arrache pas. Pour ça, moi, je suis content, fier de Dieu. Quand il me donne, il ne va pas m'arracher. Je suis content. Pour ça, invitez-moi dans vos villages. Vous êtes là, vous me regardez, vos sorciers sont dans le village. Petit sorcier de vivre, là, je ne suis pas sorcier. Amen. Amen. Invitez-moi au sorcier. Mais il y a longtemps, il n'y a pas encore fait village. Et ça me gêne. Je ne suis pas encore fait village. Je vais aller attraper le sorcier brut. On essaiera de vous, je crois. Ça sera carnage de sorciers. Amen. J'ai un médicament.
Je sais comment les gens sortent, comme un rat est rentré dans le trou, et puis qui meurt, que tu mets, il sort. C'est tout ça. Amen. Quand Dieu donne, donne, il donne. Quand le chauffeur de lui, là, il dit, mais le prophète même l'a dit. C'est dans Jésus qu'il fait un pas qu'on sort. Il n'a pas de corps pour se protéger. Il se chauffe pas, pas de corps. Il n'y a plus que corps. Amen. Amen. Il trouve que mon Dieu n'a pas attaché. Il dit, mon gars, il n'est pas lui, il est bien protégé. Amen. Ça aide à mon sang, par protection. Dieu est à moi. Je n'ai pas peur de toi. Celui qui a peur à moi, la peur éternelle. Donc il faut être patient. La patience. C'est à partir de cette patience que Dieu bénit les gens. Et les gens ne sont pas patients. Dieu va te bénir par rapport à quoi? Tu vas faire quoi qui va te bénir? Amen. Mais Dieu bénit tout le monde. Il n'a pas besoin que tu sois chrétien. C'est pour ça la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Quiconque. Tu as difficulté, moi je peux prier pour que Dieu te sauve. Sorcier en train de te manger. Je peux prier pour que Dieu te délivre de la sorcellerie. Je peux prier pour que Dieu te délivre. Il n'a pas besoin que tu cherches à obéir à l'éternel, non. Mais pour rentrer dans nos bénédictions, il faut que tu marches avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. On va acclamer le Seigneur. David a fait une expérience avec Dieu, il a vécu avec l'Éternel, il a fait une expérience pendant des années, il avait un sorcier qu'on appelait Saül, qui a tout fait. Mais c'est quand Saül est mort que David est devenu roi. Il dit ici, il dit celui qui demeure, ça dit quoi demeure en Dieu, il faut demeure quoi sous la vie. Sous la ça dit c'est Dieu. Ta vie dépend que de Dieu. Tu ne respectes que Dieu. Tu ne penses que Dieu. Tu ne cherches chercher la volonté de Dieu. Il y a des gens qui veulent prendre la décision, une décision ne consulte même pas Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane, il va dire, si cette coupe va s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il voyait la croix. Vous savez souvent, il y a des gens, vous pensez que le plan de Dieu, là, c'est quelque chose de facile à voir ou intéressant. Souvent, les questions de Dieu, c'est difficile. Amen. Amen. Le monsieur paye toute ta maison. Il te donne peut-être 200 000 francs par mois. Maison paye. Ça dit qu'il ne paye rien. Courant, tout ça. Puis 200 000 avant les bouches. Et puis tu dis les enfants, c'est marié. Il est légalement marié. Amen. Amen. Pour que ce mari qui pleure. C'est pas ton mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, par moi, la volonté de Dieu, c'est pas une chose facile à exploiter. Amen. Amen. Mais elle est bonne pour toi. Et celui qui demeure. Sous l'abri du Très-Haut. Toi, tu demeures où? Tous les soirs, tu te caches, tu vas chez les pétitions. Toi, tu demeures où? Il est sous l'abri du Très-Haut. Elle qui ne demande que Dieu, c'est toi, c'est Dieu qui protège. Et les gens, c'est des gens bizarres, des chrétiens bancals. Ils sont chez les pétitions un peu. Ils sont chez Dieu un peu. Ils disent, mais on dit, mais aide-toi de ces ténéraux. Un peu de Jésus. Tu vois, moi, je suis là, à mes canaries dans la maison des chrétiens. Les dieux ne cohabitent jamais ensemble. Jésus a frappé l'autre là. Dis Amen. Amen. Jésus a frappé ça, mais Jésus avait été présenté dans la même maison. Quelqu'un a frappé son ami. Il n'y pas ensemble. Il ne peut même pas cohabiter ensemble. Tu as envoyé une petite Jésus. Le Seigneur a dit. Amen. Il est celui qui demeure sous l'abri du repos. À l'homme de tout le sang. C'est-à-dire, le fait de décider de ne plus aller voir un marabout de pétitions et que tu dis, je dépends de Dieu, c'est fini. Tu as la protection de Dieu. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Tu as la protection de Dieu. C'est ce qu'a fait David. David avait les regards fixés sur Dieu. Malgré les difficultés, il avait des difficultés. Il vivait toutes sortes de choses. Il a vécu des moments difficiles. Quand vous regardez un peu la vie de David, ce n'était pas facile pour lui. David a pris le trône à quel âge? Vous ne connaissez pas la Bible. Hein? À l'âge de 33 ans, là, il a possédé le trône. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toutes sortes de difficultés, toutes sortes de difficultés. Il n'a jamais lâché Dieu. Les gens qui ont des difficultés, ils commencent à réciter le psaume 35, ils commencent à réciter le psaume 91. Quand ça ne marche plus, on dit à quelqu'un, tout va là-bas.
C'est rien ici. Ah bon? On prend la route partie. J'arrive dans le fétichisme, dit Amen. Amen. Rien. Dans le fétichisme. Il n'y a pas de protection dans le maraboutage, dans le fétichisme. La seule protection se trouve en Jésus. Amen. Le Très-Haut, celui des Très-Hauts, c'est l'Éternel et notre Dieu. Et notre Dieu, c'est Jésus. J'ai dit aux gens, ça ne se discute pas. Jésus n'est pas à côté. Dieu n'est pas à côté. Si vous voulez que je vous explique, ça serait difficile de vous expliquer. Mais pour nous, Jésus est Dieu. Point barre. Amen. Quelqu'un me dit non, disait, faut prier pour moi, mais tu vois, t'as fait de Jésus qui est dedans là. Il dit, c'est ce qui rend la chose intéressante. Amen. Amen. Pourquoi tu veux dire, il est mais pas Jésus? Bon, tu sais, je ne suis pas chrétien, je ne te parle pas d'une religion. Hein? Je te parle de quelque chose qui marche. Si tu ne peux pas marcher, tu n'allais pas me demander mon aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est Jésus. Si tu demeures en Jésus, tu as la protection de Dieu. Amen. Le jour où tu as abandonné Christ, le jour où tu vas te retrouver quelque part, en train d'aller consulter un marabout, c'est fini. Dieu t'abandonne. Parce qu'il est bien Dieu jaloux. Frère. Amen. La Bible, le malheur atteint parfois le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Pas parce que tu es en l'éternel que les choses ne vont pas t'arriver, mais demeure dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur, n'abandonne pas. Pas parce que tu es dans le Seigneur, tu ne vas pas avoir d'attaque, il y aura des attaques. Pas parce que tu es dans le Seigneur, tu n'auras pas des difficultés, il y aura des difficultés. Mais toi, demeure dans le Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu éprouve tous les gens. Amen. Il y a eu la traversée du désert. Le peuple d'Israël a connu les mois les plus difficiles. Pour qu'Israël possède Canaan. Vous pensez que Canaan, c'est une chose facile à posséder? Le lait, le miel n'est pas une chose facile à posséder. Il a payé la traversée du désert. Et quand il a la traversée du désert, ce sont les difficultés pour atteindre Canaan. Et généralement, tous ceux qui ont murmuré dans les moments difficiles, dans le désert, ils ont tous péri dans le désert. Amen. Amen. Tu mets une difficulté, demeure dans le Seigneur. Alléluia. Non, si Dieu n'abandonne jamais, frère. Jamais. Et tu vois, les ennemis, il y a des gens qui viennent te proposer des choses. Tu sais, le monsieur, là, il est fort. Mais la Bible dit qu'il est très haut. Lui, il est en bas. Lui, il est haut. Amen. Amen. La bénédiction est là-haut. Le marabout, il va lever le marabout. Il dira, mais si Dieu le veut. Pourquoi ne pas se confier en Dieu? D'autres m'ont dit, non, Dieu, tout le monde. Amen. Amen. Mais celui qui bénit. Amen. Amen. Celui qui demeure, quoi? Sous la pluie, sous la pluie. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Vous voulez la bénédiction de Dieu. N'abandonnez pas l'Éternel. N'ayez pas les regards attachés. Ne jetez pas les regards de gauche à droite. Vous voulez que Dieu vous protège contre la sorcellerie? Demeurez dans le Seigneur. Amen. 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 Je posais avec quelqu'un de la Suisse encore. Il parle à moi, il dit, mais quoi enlever les bouteilles que tu as prises? Il est comme. Il allait au Bénin, ils ont mis les bouteilles attachées à courir, tout ça. Il dit, mais le gars t'envoie une bouteille à courir là-dessus. Il y a 12 courir là-dessus. Et puis dans la bouteille, il a fait rentrer eux dedans. Le gars est volé. Comment j'ai pu scanner ce qui est sous son lit? Il dit, monsieur le prophète. Il a passé à travers. Il dit, mais tu sais, il a enlevé bouteille. Et quand tu vas enlever bouteille, la paix du Seigneur a commencé à te venir. Il avait des difficultés avec sa femme. Il s'est marié à sa femme. Là, elle est en Europe, elle est. Les femmes, ça va chasser les gens. C'est nous, on chasse ici. Tu vois là? Si tu oses à parler, tu dis aux gens, prends tes bagages, va chez toi. Là-bas, la 5 te met bio. C'est comme ça. Non, c'est-à-dire, monsieur, dégage. Et c'est là que tu fais l'homme du parapluie. C'est-à-dire, va te parapluie. Amen. Donc il avait des difficultés avec sa femme. Dès qu'il a commencé à jeter la chose, il a commencé à prier pour lui. Et la femme qui ne voulait plus le voir, elle a commencé à courir après lui demander pardon. Ils sont devenus ensemble. Amen. Amen. Il est parti partout. La femme l'emmerdait. Et le Seigneur offrait un miracle. Bonheur sur la vie. Tu reposeras l'homme tout puissant.
Si tu veux avoir la vraie protection, c'est dans le Seigneur. Ce n'est pas ailleurs, frère. Ce n'est pas ailleurs. Si Jésus ne protégeait pas, je serais aujourd'hui un homme mort. Moi, je les narre chaque jour. Amen. Amen. J'aurais dit, moi, ce n'est pas parce que c'est le crasso, mais je crois fermement à la parole de Dieu. Lui qui ne peut pas me mentir, là, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas question de chien orgueilleux. Je vous dis ce qu'il peut faire pour venir me protéger. Donc, pour ne pas avoir peur des sorciers. Et je vous dis, mais comme vous avez, je parle beaucoup, des bouchons.